la déclaration faite par le président Akibangu n'est que la suite logique de cette pression un peu douce que le Parti congolais du travail et ses alliés ont exercé sur le président, et ajouté à cela la pression des populations du Niari qui l'ont sommé en quelque sorte de déclarer sa candidature séance tenante. Le président nous a dit qu'il n'était pas pressé parce qu'il pense que la fonction qu'il occupe est une fonction pérenne en quelque sorte. Tant que le mandat n'est pas fini, le président est au travail. Et dans la doctrine des déclarations à la candidature, nous pouvons constater que même dans les grands pays, les présidents ne se précipitent pas à se présenter, même s'ils sont candidats. Donc le président de la République, répondant à l'émotion collective, a donc déclaré sa candidature, on va dire, à son corps défendant. Mais ce que nous retenons, c'est que le président est candidat. Et ce qui reste à faire pour tous ceux qui ont poussé le président à la candidature, c'est de travailler pour que cette candidature se transforme en victoire certaine.